Les personnels des urgences chirurgicales et de traumatologie de l'hôpital Édouard Herriot ont manifesté cet après-midi place de la République. Les raisons de leur colère, la suppression annoncée de 4 postes d'infirmiers. Pour les personnels soignants, la nouvelle logique comptable des HCL se fait aux dépens des patients. On écoute à ce propos une infirmière au micro de Baptiste Blic. Au lieu d'être à 4 infirmiers constamment, la journée et la nuit, nous sommes à 4 la journée, mais toujours à 3 la nuit. Ce qui pose des problèmes de sécurité pour les patients, parce que nous ne pouvons pas être partout. Et des problèmes aussi de gestion de la violence, qui est quand même assez fréquente aux urgences. Ils argumentent la suppression de postes et il y a 20% d'activité en moins depuis l'ouverture de l'hôpital mère-enfant. Ce qui est effectivement vrai. Mais avant, nous avions des conditions de travail qui étaient épouvantables parce que justement, nous avions beaucoup trop de patients à gérer, dont des enfants. Maintenant, nous n'avons plus les enfants, nous n'avons plus tout ce qui est gynécologie, mais on arrive à travailler normalement.